Bonjour et bienvenue sur la chaîne Windows Tech, j'espère que vous allez bien. Ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Donc dans cette nouvelle vidéo, on va voir ensemble comment résoudre les problèmes de photos, de vidéos que vous ne pouvez pas visualiser car vous n'avez pas directement l'image. Vous avez juste les mêmes images à chaque fois, c'est-à-dire, je vais vous montrer ici, voyez. Donc je veux visualiser mes photos mais je ne les vois pas et donc je ne peux pas savoir à quoi correspondent les numéros qu'il y a dessous. Et donc pour ça, il faut que je clique dessus pour savoir exactement la photo que je veux trouver et ce n'est pas forcément celle que je veux. Donc dans ces cas-là, si vous voulez que vos vidéos et vos photos apparaissent directement lorsque vous ouvrez votre explorateur de fichiers, eh bien quand vous êtes ici, vous allez sur Affichage ici, donc vous sélectionnez Affichage ici, vous allez sur Options. On fait modifier les options des dossiers et de recherche. Ici, dans cette petite fenêtre, on va sur Affichage. Affichage, ici, on va aller rechercher. Vous voyez, ici, il y a marqué « Toujours afficher des icônes, jamais les miniatures ». Donc voilà, en fait, vous n'avez pas les miniatures, vous avez juste des icônes. Voilà, donc pour ça, eh bien, il suffit tout simplement de décocher « Toujours afficher des icônes, jamais des miniatures », il faut le décocher. Vous le décochez, vous faites appliquer et OK. Et regardez, automatiquement, il y a les photos qui apparaissent et au moins là, vous pouvez choisir celle qui vous correspond et celle que vous voulez en particulier. Voilà, donc la vidéo se termine là. Elle était courte mais efficace pour vous qui cherchez justement la solution pour enfin pouvoir lire directement les contenus de vos photos. Voilà. Donc, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci, au revoir.